refait le Mac, le podcast. Chaque semaine, vous retrouvez sur le site www.onrefaitlemac.com, mais également sur notre chaîne sur YouTube, sur Dailymotion, sur Watt, sur iTunes, il faut vous abonner, sur Vimeo, sur Clubic et désormais sur TF1 News. Et chaque mois dans le CD-ROM de la Criette, j'allais oublier, le débat sur l'actualité et les usages du Mac, de l'iPod, de l'iPhone. Cette semaine, on va parler du design, tout un programme, c'est le sommaire. On refait le Mac. Apple et le design, une vieille histoire. Retour sur 35 années ou presque de l'aventure du design au sein d'Apple avec ses succès, ses échecs et surtout une vision. Faire de l'ordinateur non pas un produit utilitaire et compliqué, mais un objet sexy et accessible à tous. Nous en parlerons avec un designer, Jean-Louis Fréchin, fondateur de NoDesign et bien sûr nos habituels acolytes. On refait le Mac, épisode 57, Apple et le design, première partie. Avec comme invité cette semaine, Rodrigo Sepúlveda Schulz, investisseur, podcasteur, blogueur. Comment ça va, Rodrigo? Je suis ébloui par tant d'intelligence collective retrouvée ce soir dans... Ah non, je croyais qu'il voulait avancer à visage masqué cette semaine. Non, il n'y a pas Monsieur X cette semaine. Il est en pleine fusion-acquisition, mais on ne peut pas vous en dire plus. Voilà. Oh, la personne bavarde qui commence même de parler avant même que je le présente, c'est une habitude, c'est Cédric Ingrand de la chaîne Info. Bonjour Cédric. Salut Olivier, ça va? Oui, ça va. Il fait un temps merveilleux dehors, je sais pas pourquoi on est là et pas sur une terrasse en train de boire du muscat, tu vois ce que je veux dire. Parce qu'on enregistre le soir et qu'il fait nuit. L'autre invité que vous connaissez déjà dans Refait le Mac, c'est Alexandre Lenoir, qui est journaliste au magazine Criette. Bonjour Alexandre. Salut Olivier, ça va? Oui, on fait aller. Skype nous a causé quelques soucis ce soir. Et dernier invité à On refait le Mac, un nouvel invité, c'est Jean-Louis Fréchin, qui est designer, qui a fondé notamment NoDesign. Bonjour Jean-Louis. Bonsoir à tous. Alors Jean-Louis, je t'ai demandé d'être parmi nous ce soir parce qu'on fait donc une spéciale design ce soir, que tu connais bien le design puisque c'est ton métier, que tu connais bien le secteur des high-tech, des nouvelles technologies en général parce que ça fait quelques années que tu travailles également dans ce milieu. Dans la problématique des nouvelles technologies du design, tu maîtrises assez bien. Tu as signé récemment, on l'a dit, un cadre photo avec Parrot, le DIA. Donc comme ça, à savoir faire un produit qui soit très technologique et un produit qui soit, je dirais, accessible et beau accessoirement. C'est une contrainte que tu connais bien. Messieurs, Apple Design, c'est une longue histoire. Elle a commencé dès les débuts d'Apple. Apple, très rapidement, a sorti des machines avec des boîtiers, ce qui n'était pas forcément évident. Souvenez-vous que l'Apple 1 était un ordinateur qui était vendu simplement avec une carte mère. Il semblerait que Steve Jobs a compris très tôt ce qu'il devait faire et ce que devait être Apple tel qu'il est aujourd'hui. C'est-à-dire, un ordinateur devait être un produit grand public qui rassure les utilisateurs, un produit que tout le monde puisse utiliser, et le design c'est un élément important. Jean-Louis, avant l'Apple II c'était une boîte en bois et la pomme écrite au pyrograveur, genre travaux manuels du mercredi. Dès l'Apple II, Steve Jobs a travaillé avec deux designers américains, Aoyama et Manok, pour dessiner cette première machine. La machine et les manuels assez beaux pour l'époque qui faisaient une sorte qui donnait une forme à cette machine dont on ne savait pas trop à quoi elle pouvait servir. Alors, il faut rappeler que le terme même micro-ordinateur n'existait pas à l'origine, hein. C'était des ordinateurs, donc des objets de travail. Voilà, c'était pas forcément évident d'avoir une approche, je veux dire, il faut essayer de rassurer les utilisateurs. Cédric ou celui qui veut prendre la parole. Mais moi j'ai une question, mais parce que je me posais la question de savoir quand est-ce que le design ça a commencé entre guillemets chez Apple. Alors le design, non mais c'est une question sérieuse, Monsieur Frigard. Ouais. Non, mais ce que je veux dire, c'est évidemment le design il commence au jour où tu inventes quelque chose. Ok, mais à partir de quel moment est-ce qu'on s'est mis à faire du design chez Apple au-delà même de juste l'ergonomie, parce que l'ergonomie du produit c'est important et ça fait partie intégrante du design. Quand est-ce qu'on a voulu faire du beau au-delà de l'utile et de l'utilisable? Bah, la réponse, elle est assez simple quand ce qu'on appelle, je crois, hein, c'est une hypothèse, mais l'informatique est devenue le numérique, c'est-à-dire quand l'ordinateur a quitté les bureaux pour rentrer chez monsieur et madame tout le monde quand on a commencé à utiliser les ordinateurs pour faire autre chose que des calculs ou écrire des textes. On peut à peu près le caler à cette époque-là, donc c'est... disons peut-être début des années 90. Ouais. Jean-Louis, tu me disais avant de commencer cette émission que Apple, bon c'est vrai, a inventé le micro-ordinateur, allez on dira ça même si le Micral était français, mais c'était pas le seul constructeur informatique à faire des tentatives dans le secteur du design. Non, le grand maître qui a un peu lancé le standard et qui a certainement excité Jobs dans la manière de faire, c'est IBM, qui très tôt a dessiné les ordinateurs mainframe avec un monsieur qui s'appelle Eliot Noyes, qui ensuite a dessiné les machines à écrire à Marguerite, et puis qui a quitté IBM pour aller créer le département design du musée d'art moderne de New York. IBM a aussi en 67-69 fait deux expositions assez marquantes qui étaient pour expliquer au grand public à New York, lors d'une grande foire internationale, ce que c'était que l'informatique. Et IMSS a inventé à cette époque-là, on va dire, les expositions un peu didactiques comme on trouve à la Villette aujourd'hui. Donc IBM est vraiment le grand inventeur de design et de technologie. Il n'y avait pas déjà à l'époque une volonté de rassurer les utilisateurs en faisant un objet qui soit sympa, qui soit simple d'utilisation. On n'était pas déjà là, Jean-Louis. Non, sur les mainframes, c'était surtout... Mainframes, c'est les gros ordinateurs pour les grosses entreprises. Hein. Ouais, ils étaient tous gros à l'époque, hein, de toute façon. Ouais, c'est vrai. Il n'y avait pas de petits. Hein. Ouais. Non, il n'y avait pas de petits. C'était surtout montrer une sorte de modernité et d'optimisme des années 60, c'est-à-dire un peu la nouvelle vie, le nouveau monde, avec des machines un peu mystérieuses, un peu des petits enfants de Hall, comme dans 2001 Odyssée de l'espace. Moi, il y a une image qui me marque et qui définit bien, je dirais, l'esprit d'Apple et du design. C'était l'une des premières visites que j'ai eu l'occasion de faire dans un Apple Store. C'était au début des années 2000 à New York. Ça m'avait marqué. À Soho, je vois rentrer une jeune femme remplie de paquets. C'est une jeune femme, croyez-moi, qui a certainement mis à cette époque, qui a jamais mis les pieds dans un magasin d'informatique. Elle rentre dans l'endroit et se demande, tiens, c'est quoi? C'est lumineux, c'est joli, c'est coloré, qu'est-ce que c'est? Et puis elle commence à tourner autour d'un ordinateur, au design un peu étonnant, parce qu'à l'époque c'était l'iMac G4, le tournesol, on va en parler un peu plus tard. Et elle se rapproche au fur et à mesure, et puis elle commence à caresser l'objet, elle commence à toucher la souris. Et pour moi, c'est une belle démonstration de comment le design peut amener des gens à s'intéresser au numérique, messieurs. Le beau ne me semble pas suffisant pour définir le design. Et on pourrait définir différents niveaux de design. On citait les mainframes IBM tout à l'heure. Moi, je pense que le Cray 1, un super calculateur, était très très beau. Utilisé par la NASA notamment. Oui, vous pouvez les voir dans tous les grands musées de l'informatique. Il y a des Cray 1, enfin en tout cas aux États-Unis. C'était une très très belle machine. C'est 1976 le Cray 1. Très très beau. Cray, c'est le seul ordinateur qui était livré avec le canapé. Il y avait un canapé intégré. Non, parce que c'était des grosses machines rondes et en fait autour ils avaient mis une sorte de banc en cuir. Ouais. En cuir. Ouais, il fallait presque la maison aussi avec. Hein. Mais de toute façon, oui, c'était sur le calculateur. Est-ce qu'on avait le droit en revanche d'aller s'asseoir à côté de ces machines? Je pense pas. Il fallait avoir le bon badge. Ensuite, les Indico de Silicon Graphics, c'était des super machines au début des années 90. Chez Apple, moi je me souviens, j'ai l'âge d'avoir utilisé les Apple II, de plus, de... Le 2C a été une première tentative, me semble-t-il, dans le design, même si ça ressemblait à beaucoup des machines portables de toutes les no-names Casio qui sortaient à l'époque. Le design, je suis pas sûr que ce soit en revanche le côté beau qui ait attiré les gens. Moi j'insisterais beaucoup sur la usability, sur le fait que ça servait à le transporter de manière simple, à installer, que ça s'insérait dans un univers, dans le salon ou dans une chambre, mieux que les mastodontes que l'on pouvait avoir auparavant. Il y a un designer, je pense, dont on va parler parce qu'on dit beaucoup qu'il inspire Jonathan Ive, qui est Dieter Rams, et dans les 10 principes du design qu'il a érigé, l'esthétique n'est qu'un principe parmi 10 et c'est même pas le premier. Hein. Donc je suis tout à fait d'accord avec Rodrigo, il y a beaucoup d'autres choses qui entrent en ligne de compte. Alors, ce qui est intéressant dans ce que disait Rodrigo, d'une part, c'est que ce qui manquait peut-être... Il y a déjà eu des tentatives chez Apple, effectivement, de faire des produits beaux. Et d'ailleurs, tu parlais de l'Apple IIc, mais c'est pas un produit qui a été designé au sein d'Apple. Donc, à l'époque, et je parle sur le contrôle de Jean-Louis Fréchin, c'était une équipe européenne, un studio européen de design. C'était c'était Frog Design, Jean-Louis. Frog Design. Qui avait fait ça. Harmut Arslinger. Voilà, et il y avait même toute une théorie autour du design, ce qu'on appelait le Snow White. C'est ça, Jean-Louis? Oui, tout à fait. Dans ces questions de beau ou d'objets, finalement, la pôle 2C, c'est qu'une caisse. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'au-delà de ce qu'on voit, il y a ce qu'on ressent, il y a ce qu'on désire, et puis il y a le sentiment, c'est bon ou c'est pas bon pour moi. Stark disait souvent, je préfère les produits bons aux produits beaux, et je crois que tout l'enjeu de l'informatique, c'est finalement de faire des produits bons pour soi, pour les gens, que des produits beaux. Et il y a ceux qui ont réussi et ceux qui n'ont pas réussi tout de suite. Au-delà, Jean-Louis, ce qui manquait peut-être à ses premières tentatives et à la vision qu'avait un Jobs ou d'autres dirigeants de boîtes high-tech à l'époque, de rendre le produit accessible à monsieur tout le monde, en clair, faire de l'ordinateur un produit basique, aussi simple utilisé qu'une machine à laver ou un micro-ondes, c'était peut-être qu'il y ait, je dirais, une cohérence entre le design de l'ordinateur et le design de l'interface. L'Apple IIc, c'est un très mauvais exemple, c'est une machine moderne par son aspect, mais le système était très ancien, hein, il datait d'Apple, hein, et donc il était un peu dépassé. Et la première machine vraiment à unifier les deux, et ça c'est peut-être très important aujourd'hui pour que ça soit cohérent et que le design puisse attirer les gens, c'est le Macintosh, qui avait fait à la fois un nouveau design, une machine tout en une, hein, et également une nouvelle interface assez cohérente avec le design. Dans mes panthéons de designers, c'est-à-dire de ces concepteurs de machines techniques compliquées, il y a une femme qui s'appelle Suzanne Kerr, qui a, avec Bill Atkinson, a dessiné le Finder du Macintosh, et qui a changé l'informatique, qui a fait Mike Penn, qui a illustré, qui a influencé tous les logiciels qu'on utilise aujourd'hui. Je pense que, j'ai pas lu, hein, le bouquin avec les 10 identités ou les 10 principes du design, mais que ça souligne un rapport d'engagement par rapport au produit. C'est pas seulement le beau, c'est est-ce que je me sens bien avec ce produit, est-ce qu'il me représente, est-ce que je suis là-dedans. Et le Macintosh, finalement, c'était pas un beau produit. Je me souviens, mon père achetait... je sais plus, Apple ou Mac Apple, je sais pas quel magazine à l'époque, lui trouvait ça beau. Moi j'ai jamais trouvé ça très beau, c'était une grosse brique, ça pesait lourd, c'était transportable. En revanche, ce qui a fait l'identité, et non pas visuelle, du Mac au lancement, je pense c'est la pub de janvier 84 qui dit on change le monde était en noir et blanc, était en mode texte, on passe en mode graphique, et c'est ça qui a marketé à mon avis le début du design chez Apple. C'est l'identité qu'on s'est fait. C'est du marketing, si je comprends bien, Rodrigo. Je dis que ça fait une relation d'engagement entre l'utilisateur et son produit. Ouais. Je vois Jean-Louis qui trépigne. Non. Non, je crois que le vrai... Je suis d'accord, hein, mais c'est pas tellement McKenna et sa pub. Il a fait révéler ce que les gars d'Apple avaient dans la tête. Ce qui fait la vraie force du Macintosh, c'est la conviction puissante que Jobs a mis dedans. Et toute la mythologie californienne, il voulait changer le monde, il voulait adapter la machine à l'homme et pas l'inverse. Et dans la mythologie du Mac, il y a les icônes, il y a la pizza à l'ananas, mais il y a surtout le fait que Jobs est peut-être le seul CEO au monde à pouvoir parler. Il y a une conférence sur YouTube très connue, 2 heures d'un designer graphique que personne ne connaît, Paul Rand, qui a fait le logo d'IBM, qui a fait celui d'Apple, après qui a fait celui de Next. Et c'est un patron qui a une sensibilité, qui est sensible, et qui veut mettre cette sensibilité, cette conviction dans les produits. Et je crois que la différence, elle est juste là au départ, et que ça change tout. Quand nos patrons français ont ces convictions-là, peut-être on fera des produits intéressants en France. Ouais, si je dis pas de bêtises, Jobs disait au moment du Mac, ou peu de temps après, enfin au tout début, qu'il avait voulu mettre de la culture dans le produit. Et c'était un concept assez nouveau à l'époque. On voit qu'il y a une volonté donc d'unifier le design à l'échelle de l'ordinateur, de l'interface, mais aussi à l'échelle des gammes. C'est-à-dire qu'il y a l'effet de gamme. C'est-à-dire que l'informatique, les nouvelles technologies ont eu les mêmes problématiques, Jean-Louis, qu'un constructeur automobile, où du premier coup d'œil, on doit reconnaître un produit. Et il faut à la fois faire un produit beau, mais qui ressemble à l'ADN de l'entreprise. C'est difficile de créer une signature d'une marque. Ben, c'est la force d'Apple d'avoir su mettre une partie de ses produits dans sa marque et une partie de sa marque dans ses produits. La plupart du temps, on a des stratégies de marque où les produits n'ont pas d'importance. Je ne citerai pas de nom. Parfois, on a des marques qui ont des très bons produits, mais la marque n'est pas très importante. Chez Apple, on est dans une démonstration de total design, c'est-à-dire qu'il n'y a pas un élément qui est laissé au hasard. Les efforts dans la typographie, dans les manuels, dans les petits messages qu'on vous raconte quand la machine s'allume, Et quand vous alliez à l'époque chercher dans Resedit les ressources cachées du Macintosh, c'était... Cela ne rajeunit pas. Non, non, oui. C'était beau à l'intérieur aussi. Tant que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Un jour, il faudra arriver à faire la part des choses entre le design de l'interface, de l'usabilité, de l'ergonomie, et puis les pures marottes de Steve Jobs, parce qu'on sait par exemple que les typos, c'est de la marotte. C'est-à-dire, est-ce que les Macs seraient pas les Macs s'il n'y avait pas la même typo Garamonde, etc. À un moment, ça devient quand même juste de la maniaquerie. Et puis c'est les marottes du patron, donc ça se discute même pas. Alexandre, il y a eu dès l'origine d'Apple une volonté justement de créer une identité, de créer un style et de rassurer les utilisateurs, je me répète, avec le design. Et puis il y a eu une période sombre, une période noire chez Apple au milieu des années 90, où là Apple a arrêté d'innover en matière de design et a essayé de copier plutôt les standards du marché qui était le PC, de faire des produits low cost, et ça a failli tuer Apple. Je sais pas si on peut dire low cost, hein, parce que un Mac 2, un Mac 2CI, un Mac 2CX ou un Mac Quadra. Je pensais plus au performa, oui. Si bon, tu veux. Ou le LC, puisque LC voulait dire low cost en l'occurrence. Ouais. Mais c'était la boîte à pizza. Il y avait un peu de design dedans. Non, je vois la période dont tu parles, effectivement, est pas très très glorieuse, puisque les Mac à l'époque étaient beiges et carrés. Hein. En gros, c'était voilà. Cela dit, c'était pas les plus moches des ordinateurs non plus. Mais la période noire est un je la situerai un petit peu après, effectivement, entre, on va dire, 80, 90, 93, 97, où là, on a des grosses boîtes. Alors, ce qui est intéressant, c'est que l'extérieur est moche, mais l'intérieur était toujours aussi bien travaillé. C'est-à-dire que les machines s'ouvraient de façon impeccable, on accédait à tous les organes, on changeait sa RAM, on changeait son disque dur, on refermait, ça prenait 2 minutes. J'ai presque la larme à l'œil quand on me dit qu'il est arrivé qu'on puisse changer soi-même des trucs dans un Mac. Hein. Bah ouais, mais en fait, c'est une légende. Depuis très longtemps, on peut le faire. Depuis le premier Mac 2, on peut changer des trucs dans un Mac. Pour avoir ouvert des iMac de génération récente, alors, c'est pas des trucs que tu souhaiterais même à tes ennemis. Hein. Alors, il y a eu effectivement la période où c'était facile, et on est à nouveau dans une période où c'est plus compliqué. On est d'accord. Est-ce que, et c'est intéressant d'avoir le sentiment de Jean-Louis là-dessus, est-ce que pour un Steve Jobs ou un designer, comme Jonathan Ive, un produit informatique tel qu'ils ont la vision, le produit numérique par excellence, on ne doit pas le démonter, parce que nous, après moi, je ne démonte pas ma cafetière, ni je ne démonte pas mon micro-ondes. Est-ce que c'est en fait une vision de design, se dire non, je le ferme ce produit, je ne veux pas le démonter? L'horrible période dont on parlait, 97, le système 7.2, Michael Spindler, un roi du marketing encore plus fort que Scully à la direction, des machines qu'on ouvrait facilement effectivement, mais on se coupait un peu les doigts, et puis tout à coup, avant que Spindler parte, des machines arrivent, les 9500, là on les ouvre, il y a des tiroirs, etc. Parce que l'équipe de design a changé. À l'époque, Robert Brunner a embauché un jeune gars d'Angleterre, pour travailler sur le Newton, qui s'appelle Jonathan Ive. La fin de cette période horrible a commencé, avant l'arrivée de Jobs, à montrer des réponses plus intéressantes. Alors, les produits étaient faciles à démonter, mais sur la question de l'ouverture, facile à ouvrir physiquement, mais l'ouverture au sens informatique, effectivement, il y a une tension très forte entre... on va dire l'éthique du hacker, c'est-à-dire Linux, c'est-à-dire chacun peut bricoler son système et le modifier pour le mettre à sa mesure. Et puis de l'autre côté, une vision qui est celle du confort, qui est celle d'Apple, c'est-à-dire on va mettre l'ouverture à un autre niveau par une possibilité ou à des efforts énormes d'évangélisation sur différents types de logiciels. Mais par contre, chez Apple, on met pas les mains dans la graisse, on met l'ouverture à un autre niveau. Et je crois pas que enfin à cette époque-là en tout cas, le Linux n'existait pas. Il y avait un vrai choix d'un côté, disons Microsoft qui était pas tant ouvert, mais on avait l'impression de pouvoir tout programmer. Puis de l'autre côté, une informatique directement centrée sur des usages pour faire des choses, tout simplement, en utilisant non pas comme au début, tu veux faire de la 3D programme à l'époque du Mac 2, mais tu veux faire de la 3D, il y a un super logiciel sur Mac qui te permettra de faire ce que tu as envie de faire. C'est un peu ça les tensions de l'époque, confort versus un pouvoir qui est là mais qu'on n'utilise pas forcément. À l'inverse de, effectivement, de cette tendance de monter son PC soi-même, il y avait effectivement la vision de l'ordinateur tout en un complètement fermé. Il y a eu comme deux éclairs de lumière, hein. Tu en as parlé, Jean-Louis, Jonathan Ive n'était pas étranger, c'était l'arrivée du Mac du 20e anniversaire, qui n'est plus ni moins qu'une interprétation à l'époque de l'iMac d'aujourd'hui, une machine tout en une qui coûtait une vraie fortune, hein, tu t'en souviens, Alexandre. Et puis le Newton, l'iMet avec les images translucides, la matière translucide qui sera utilisée plus tard. Et ça a certainement permis à Jonathan Ive de se faire remarquer. Mais une chose est sûre, à cette période-là, Jean-Louis, les designers n'avaient pas le pouvoir au sein d'Apple. Non, le chef, c'était Robert Brunner, dépendant d'une direction produit ou marketing. Je ne sais plus, il n'y a jamais eu beaucoup de marketing classique chez Apple. Et les types essayaient de faire ce qu'ils pouvaient dans leur coin. Et quand Jonathan Ive a fait l'IMET, il a vraiment créé le vocabulaire de la révolution d'après, quoi. D'ailleurs, c'est comme ça que, enfin, on racontera peut-être l'histoire plus tard, mais c'est comme ça que Jobs l'a découvert. Après avoir fait le tour du monde pour trouver un designer. C'est une période charnière, donc c'est le retour de Steve Jobs et il a mis à la tête du design Jonathan Ive. Et la première chose qu'il a fait effectivement, c'est le retour du design. Et c'est très amusant de voir finalement que la première machine qui est sortie vraiment sous l'ère Jobs, c'est version 2, c'est le nouvel iMac avec des matières translucides, un bonbon acidulé. C'était vraiment un vrai ovni à l'époque. Ah oui, complètement. Le côté, alors c'est rigolo parce que il y avait donc à peu près toutes les couleurs de l'arc. Ouais, 98, hein. Un an après le retour de Jobs. Il y avait le côté flower power dans l'iMac et ça ressemblait à tout sauf un ordinateur. Donc c'était l'idée de Jobs, c'était de dire on fait table rase du passé. Aujourd'hui, ce que fait Apple, c'est de la merde. Il faut qu'on se fasse remarquer. Donc, on fait un ordinateur qui ne ressemble pas à un ordinateur, qu'on met dans le salon. Et force est de constater que ça a marché, puisque tout le monde s'est engagé ensuite dans le design translucide et les périphériques de toutes les couleurs. Il y en a eu dans toutes les marques, sur toutes les machines. Alors, ce qui est amusant, Alexandre, c'est que non seulement ça a inspiré toute l'industrie high-tech à l'époque où tout était translucide, mais je crois, Jean-Louis, ça a aussi inspiré toute l'industrie tout court où les stylos devenaient translucides, où les cafetières étaient translucides et les faire repasser, j'en passe. Jean-Louis. Oui, l'iMac, la publicité, je ne sais pas si vous en rappelez, c'était choisissez la couleur. Avec les stones derrière. Ouais. Donc on vous parlait de couleur. Choisissez votre parfum. Votre parfum. Votre parfum. On tordait le cou à un mythe qui disait que la distribution n'acceptait pas de produits en couleurs différentes parce que c'était impossible à gérer les stocks, et Apple, au bord de la faillite, réussit à imposer à ses revendeurs ces palettes de couleurs. Mais d'un point de vue stratégique, vraiment de stratégie industrielle, l'iMac, c'est vraiment le Macintosh dans ses fondamentaux de l'époque, c'est-à-dire une petite boîte, un écran, je le transporte, c'est-à-dire que tout le monde se gauzait d'Apple qui allait mourir. Quand Jobs revient, il fait exactement ce qu'il a fait 10 ans avant, c'est-à-dire une petite machine, un écran, une boîte, et les types passaient leur temps à dire « Apple, ça vaut $1 », comme Michael Dell, ça vaut rien. Il a refait exactement la même chose et là, ça a marché. Alors pourquoi, à l'époque, quand le phénomène Apple est arrivé, qu'on a vu comme ça Apple vendre plus de 6 millions d'exemplaires de l'iMac, l'ensemble des constructeurs high-tech ne sont pas mis à faire du design et être au niveau d'Apple aujourd'hui? Et pourquoi Apple est encore la seule entreprise high-tech, à ma connaissance, qui a à sa tête, au moins en poste de vice-président, un designer, à savoir Jonathan Ive? Ouais, alors ça c'est compliqué parce que si tu grattes bien, tu vas aller trouver les designers dans les boîtes de high-tech. À l'époque, non mais il n'y en a pas des masses. Ouais, tu sais, vice-président, il y a combien de vice-présidents chez Apple? Ouais, une bonne dizaine quand même. Une dizaine, tu t'es fou, il y a une centaine de vice-présidents. Il est senior VP, ce qui n'est pas la même chose. Il est senior VP, alors autant voir. Mais non, ce que je voulais dire, c'est qu'à l'époque, tu le disais là, les enjeux étaient différents. C'est-à-dire qu'on était face à des PC qui étaient, eux, des valeurs commoditisées, où on se battait, où les constructeurs de PC se battaient d'abord sur les prix. Où on les faisait soi-même. Ouais. Moi, j'ai bien connu cette époque, parce que j'étais chef adjoint de PC Magazine à l'époque. J'ai même signé un édito en disant que j'avais quand même envie d'un iMac et que je regardais de l'autre côté de la vallée et que l'herbe avait l'air quand même très verte, ou bleue, ou orange, ou rose, de la couleur que je voulais. Et ouais, les enjeux n'étaient pas les mêmes. C'était pas une machine très chère, l'iMac premier du nom. Je me souviens plus du prix parce que là c'est un peu vieux, mais c'était pas une machine donnée non plus. Ça, il y avait quand même une surtaxe très très nette par rapport au PC. Souviens-toi, à l'intérieur il y avait un G3, le processeur le plus rapide du monde. Ouais, enfin sous Photoshop pour un filtre, tout ça. Non, mais c'était les démos. Après, tout ça était évidemment comme à chaque fois démenti par les gens qui dans le monde réel faisaient des vrais tests. Mais donc il y avait quand même une surtaxe. Et je pense que c'est ça aussi, c'est la fameuse taxe Apple qu'on dit payer à chaque fois qu'on achète un produit d'Apple parce qu'il est un peu plus cher que la concurrence, sauf dans le cas de l'iPad, mais c'est un peu compliqué. Elle sert aussi à ça. Elle sert aussi à faire la différence. C'est des choses qui s'entretiennent. Le design est plus joli, plus abouti ou plus inventif parfois. Et c'est pour ça qu'on est prêt à payer plus cher. Mais l'argent qu'on met plus cher, bah, ça sert aussi à payer du design. Au début des années 90, Apple concurrençait les mêmes boîtes grises ou beiges LED qu'il y avait chez Dell, qu'il y avait chez Compaq, hein, pas oublié, qu'il y avait chez IBM. Et finalement, Apple n'était qu'un constructeur parmi d'autres. Donc le retour d'Apple, on peut l'imaginer, de l'iMac de toutes les couleurs, plutôt comme un différenciant extrêmement fort en repositionnant la marque et son offre produit vers le grand consommateur, dans le salon, comme disait Alexandre à l'instant, et en quittant l'entreprise. Là où ils avaient essayé de s'installer, et peut-être où John Sculley a essayé de les emmener. Il y a aussi beaucoup de... On en avait déjà discuté avec Monsieur X, qui n'est pas là ce soir, des raisons qui ont poussé Apple à taper aussi fort, Jean-Louis, parce que c'est vrai qu'ils ont tapé fort, hein, c'était du jamais vu en matière de... C'était très psychédélique, peut-être trop, parce qu'on va le voir, ils sont revenus vers un style aujourd'hui qui est quand même beaucoup plus sobre, hein, c'est le moins qu'on puisse dire. Cette volonté de taper si fort, c'est que peut-être qu'il y avait une urgence particulière, Alexandre, à l'époque, qui faisait qu'il fallait peut-être... Comment dire, faire diversion. Ah bah oui, il y avait urgence parce que les caisses étaient vides, hein, donc c'était ça passe ou ça casse clairement. Donc si Jobs revenait pour refaire un ordinateur qui ressemblait à tous les ordinateurs, je pense que Apple n'existerait plus aujourd'hui, tout simplement. Et puis il y avait une urgence, Cédric, à l'époque aussi. Souviens-toi, c'était l'explosion de Windows 95 qui terrassait et qui faisait qu'il y avait plein de switchers, mais pas les switchers d'aujourd'hui qui viennent sur le Mac, c'est ceux qui allaient vers le PC par camion. Windows et la comparaison, je termine tout par deux mots. Et la comparaison entre macOS à l'époque et Windows était vraiment à la défaveur du Mac et en faveur de Microsoft. Et peut-être qu'une apparence très, très psychédélique faisait oublier ces défauts, ces gros défauts qui faisaient que le macOS, à l'époque, le système du Mac était en fin de course. C'est-à-dire que Apple avait eu tellement de problèmes de distribution, de modèles, de ventilation de sa marque, etc., etc., que macOS n'avait pas vraiment raccroché les wagons. Alors que, à l'inverse, Microsoft avait eux raccroché les wagons très très vite parce qu'ils avaient vu qu'évidemment ces systèmes à fenêtres c'était quand même des trucs qui marchaient très très fort. Et en l'espace de 5, 6, 7 ans, ils sont passés de MS-DOS où il y avait 3 fois rien pour gérer des fenêtres à Windows 95 puis 98. Et là tout à coup on était sur des systèmes hyper utilisables avec tout embarqué à l'intérieur, l'internet, etc., etc. Non, bien sûr il y avait une réelle concurrence sur le logiciel en tout cas. Jean-Louis, tu es d'accord avec mon analyse à 2,50 €, à savoir qu'Apple a vraiment tapé fort pour vraiment faire diversion et de dire, regardez, il ne faut plus que les gens regardent macOS parce qu'il est complètement dépassé, il faut qu'ils l'achètent pour autre chose que ce qui faisait la force avant d'Apple, à savoir sa simplicité d'utilisation. Ouais, non, sur le hardware, je suis d'accord, c'est une stratégie connue qui est d'ailleurs la même que Renault avec la Twingo, c'est qu'on n'a pas de moyens pour changer le moteur, on n'a pas de moyens pour changer le système de navigation, donc on va prendre les basiques. Et puis on va convoquer ce qui est le moins cher, finalement le design. Twingo et iMac, c'est la même stratégie, hein. 2 entreprises au bord de la faillite. On a des moteurs, on a des composants, il faut qu'on fasse quelque chose. Et donc on fait plus des programmes de vie. On met l'ordinateur dans le salon pour le Mac, on met la Twingo qui est un mini-espace, une petite voiture un peu mutante. Finalement on fait de l'innovation non technologique et on oublie un peu la technologie. Donc la faiblesse est devenue une force. Et puis comme je suis un ayatollah du Mac... macOS 8 et macOS 9 étaient quand même robustes et à une belle mort. De temps en temps, quand je rouvre mes vieilles machines hein. et que je fais du macOS 9, c'est bien rapide Photoshop 3 quand même. Ça tourne encore bien. Oui, c'était rapide, mais ça plantait beaucoup quand même. Hein. Ça plantait énormément. Ouais, bah, la mémoire, bon. le vrai truc, c'est la mémoire non protégée. C'est ces problèmes d'effondrement qui effondraient toute la machine. Quoi. On peut dire que Apple a vraiment été loin. C'est une vraie explosion de couleurs, hein, cette période-là, la fin 90, début 2000, où Apple a vraiment sorti plein de machines au design les plus fous. Hein. Il y a eu ensuite l'iBook, la palourde, hein, ce portable qui ressemble donc à un fruit de mer. Jusqu'au cube, le fameux Power Mac Cube, qui était un objet culte. Il fallait que j'aille récupérer le mien, qui est toujours au musée de l'informatique d'ailleurs. Et là aussi, il y a une volonté de peut-être de faire diversion, Alexandre, parce qu'au moment où le cube est arrivé, tout le monde a parlé à le cube c'est au début des années 2000, c'est une révolution, regardez, c'est très compact, hein, ce boîtier en forme de cristal, mais on a complètement oublié ce qu'il y avait à l'intérieur, et ce qu'il y avait à l'intérieur, c'était une puce qui avait 1 an et demi de retard par rapport au standard du PC. Oui, effectivement, c'était un G4 450 MHz et Steve Jobs faisait diversion en parlant du mythe du gigahertz, en expliquant que c'était pas forcément ce qui comptait, ce en quoi il a pas forcément tort, on le voit aujourd'hui. Mais ce qui est intéressant, c'est que le cube, qui fait d'ailleurs partie des ordinateurs qui sont au MoMA, au même titre que le Mac 128, est sorti en même temps qu'une autre évolution chez Apple, qui est macOS 10. Et on a autant parlé du cube que de macOS 10, et à l'époque ces deux produits n'étaient en fait pas du tout aboutis. Enfin, le cube était abouti au niveau design, mais comme tu le dis, le hardware était dépassé. Mais en revanche, il avait tout ce qu'il fallait en dehors du hardware pour faire un ordinateur à succès, et il n'a pas marché, ce qui est étonnant parce que l'iMac, le premier iMac, était nettement moins fonctionnel qu'un cube. Il n'y a pas énormément d'écart entre les deux en termes de timing, hein, il y a à peine 2 ans. C'est assez étonnant. Moi, je trouve que le cube n'est pas pris plus que ça. Est-ce que c'était le prix ou est-ce que c'était effectivement le hardware? Mais ah oui, c'était le prix. Il coûtait le prix d'une voiture. 15 000 francs nus. Ah oui, voilà, c'est ça. Mais non, mais et là, je crois qu'on arrive au bout du truc, c'est-à-dire que c'est voilà une entreprise où les designers ont pris le pouvoir pour le meilleur et pour le pire aussi, parce que non seulement parce que cette machine était juste jolie. Jean-Louis dit quelque chose. Cette époque, c'est une époque très riche pour Apple. Effectivement, macOS 10, le cube, l'explosion de l'ordinateur, une toute petite unité centrale et l'écran déporté. L'écran avec le cube et l'ensemble était très beau. Le cube, c'est l'arrivée du capacitif chez Apple, c'est-à-dire du tactile et des effleurements dans les commandes. Et c'est surtout quelque chose de beaucoup plus important, c'est la montée en puissance de Jonathan Ive. On demande aux Californiens de dégager, c'est-à-dire les chemises Bondi Blue, au revoir. Et c'est l'arrivée du design européen, c'est-à-dire du design d'Apple aujourd'hui. Et à ce moment-là, on a vu un truc qui n'était jamais arrivé chez Apple, c'est-à-dire une tension entre le design des machines et le design du software. macOS 10 était Bondi, le cube était là. Et juste après le cube, il y a une machine encore plus importante pour moi, c'est le MacBook Titanium, qui a vraiment créé le standard du laptop moderne en métal, qui était un peu le cube portable, hein, avec les mêmes codes graphiques, mais en métal. Et cette période, hein, macOS 10, le cube, le titanium, a vraiment créé l'Apple d'aujourd'hui, parce que c'est la montée en puissance de Yves. Messieurs, on va s'arrêter là, puisqu'on pourrait parler pendant des heures du design, et on aura l'occasion de parler de l'ère moderne d'Apple et du design actuel d'Apple. Il y a beaucoup à dire. On parlera également de Jonathan Ive et de ses influences, elles sont nombreuses. La semaine prochaine, je vous propose qu'on passe à vos coups de cœur. Messieurs, vos coups de cœur cette semaine, on commence par Rodrigo. Aujourd'hui, je vais parler d'un bouquin. La photo créative avec l'iPhone, c'est pas mal, c'est les basiques, ça améliorera vos photos. Je vous le passe super vite, ça vous montre comment éditer ces images sur votre iPhone, faire les photos, les machins, les trucs. Très bien, ça améliorera votre connaissance sur comment prendre des photos avec votre iPhone. Cédric, ton coup de cœur. Même le prix vaudra rire. Ça tombe bien qu'on parle de design cette semaine, parce que mon coup de cœur n'est ni une appli, ni ça se branche pas sur le courant, ça s'installe pas sur un iPad. C'est un coup de cœur en plus vraiment désintéressé. C'est Pecha Kucha Paris, cet événement mensuel où on parle de design. Oui, sinon que cette semaine, samedi prochain, a lieu un Pecha Kucha spécial dans probablement 100aine de villes dans le monde le même jour, au bénéfice du Japon, enfin au bénéfice des architectes de Architecture for Humanity, et tout ça pour inspirer la reconstruction du Japon. C'est une belle action. Pour la petite histoire, ça se passera samedi, ça commence vers aux alentours de 20h tapante, ce sera chez Microsoft, mais il faut aller sur Pecha Kucha Paris, je sais plus c'est .com ou .org, pour s'inscrire, s'il reste encore des places, ce qui est pas gagné, et si on vous fait payer la place, c'est pour la bonne cause, parce que tout l'argent ira directement chez Architecture for Humanity, et mon petit doigt m'a dit, celui-là, là, que en plus Microsoft vous offrira un petit coup à boire à la sortie, donc c'est quand même sympathique. Et l'idée de Pecha Kucha, c'est d'aller voir des présentations de designers, dont par exemple une présentation que j'imagine magnifique, parce que c'est pas encore fait, de Jean-Louis Fréchin. Jean-Louis, ton coup de cœur. Il répond aux viles attaques de Cédric. Alors non, c'est pas une attaque. C'est pas une attaque, c'est très important, et c'était aussi l'objet de mon coup de cœur cette semaine. un designer qui s'appelle Noato Fukasawa, qui a dessiné pour Samsung un magnifique petit ordinateur. Alors, Fukasawa est japonais, donc je pense très fort au Japon, pays que j'aime beaucoup, qui m'a beaucoup inspiré. Et le fait qu'il ait travaillé pour Samsung, c'est aussi un peu les mots du Japon et cette montée de la Corée et la manière dont ils se disent bon ben voilà Sony est bon. Et je pense que dans leur malheur, ça va leur redonner un peu d'élan. Et effectivement, on va aller envoyer des messages d'amour à nos amis japonais parce qu'ils en ont bien besoin. Et cette Pecha Kucha est très importante. Et Fukasawa est un extraordinaire designer. Et si vous y allez, si vous êtes dans la salle, je n'y serai pas. Parce que moi je serai avec le fondateur de Pecha Kucha à Tokyo samedi 16 tout ça, et on fera un Skype en live comme ici, mais vu qu'on sera que deux, ça marchera beaucoup mieux. Alexandre, ton coup de cœur, alors vas-y. Ah ben moi c'est marrant parce qu'on s'est pas concerté, mais on a des coups de cœur qui sont tous très japonais. Le mien il marche sur iPhone, il se branche sur le courant, mais il coûte 30 990 euros, puisqu'il s'agit de la Nissan Leaf, qui est la première voiture électrique de Nissan, que j'ai essayé cette semaine, et franchement, j'ai été bluffé. C'est absolument exceptionnel. C'est une voiture qui est très bien finie, très bien conçue, très techno. On peut la programmer depuis son iPhone, et ça marche très très bien. Bon, évidemment, ça va nécessiter de changer un petit peu ses habitudes. C'est pas la première voiture de la famille, aujourd'hui, c'est évident, mais c'est le printemps de la voiture électrique, et c'est plutôt une bonne chose. Moi je l'ai essayé à Las Vegas au début de l'année, elle est magnifique, et alors je l'ai vue de plus près. Si vous allez au Japon, prenez le métro, allez à Yokohama, au pied de la tour Nissan, il y a une maison qui est une sorte de maison témoin du futur, où il y a évidemment une Nissan Leaf, un machin, et là c'est la Nissan, c'est la Leaf qui recharge ce qu'il y a dans la maison, enfin c'est sublime, avec du design d'interface dans les murs, dans les comptoirs, etc. C'est d'une beauté fracassante, et de fait la Leaf elle est géniale, la conduire 1 km, c'est avoir envie de lâcher tout de suite. Mon coup de cœur, donc on parlait de design et on parlait, voilà, design c'est ça. Comme vous pouvez voir, ça s'appelle le Météormic, c'est Samson, je sais pas si ça prononce comme ça, Samson ou Samson qui fait ça. Donc c'est à la fois je vais vous le montrer en vrai, c'est quand même mieux. Donc ça rappelle un petit peu les micros Shure des années 50, c'est plutôt sympa comme vous pouvez le voir. Donc ça se branche en USB sur le Mac. Merci Jean-Louis, merci messieurs d'avoir participé à ce 57e épisode d'On refait le Mac. On se retrouve la semaine prochaine pour une deuxième partie autour du design, on parlera de l'ère moderne d'Apple. À la semaine prochaine. Au revoir.